donc Latis, c'était quoi Latis? Alors Latis, je l'ai pris, il est là, 131-025. 131-025. 4 nœuds, maximum 10 nœuds, visibilité 10 km, température 27 degrés. Québec, nom en Bretagne, 1022, unité 022, coucher du soleil, 19h42, UTC, informé Saint-Cyr, premier contact que vous avez reçu, l'information, hôtel. Saint-Cyr, tour de Fox Golf, papa Mike, bravo. Autant papa, Fox Golf, novembre Alpha, bonjour. Ah, il l'a fait quand même, Fox novembre Alpha, Saint-Cyr, seul rebonjour. Eh oui, donc le Fox Golf novembre Alpha, deux personnes à bord au parking, restaurant avec l'information. Hôtel, demande roulage pour un vol à destination de l'Ognon. Fox novembre Alpha, transpondeur 4411, roulez point d'attente, piste 29 gauche et rappelez près. 4411 au transpondeur, on roule 29 gauche, on rappelle près. Fox novembre Alpha. Ok. Fox novembre Alpha, ça serait une sortie secteur ouest. Affirme, sortie secteur ouest. Donc du coup, il faut qu'on passe par Delta 4. Non, tu restes sur le tenir en fait. Et on va là-bas directement. Fox Alpha, Delta 2002 au parking Boulogne, deux personnes à bord avec information hôtel pour un vol à destination de Chartres en sortie ouest. Fox Zulu Alpha, transpondeur 4412, suivez un DR400 vers le point d'attente piste 29 gauche et rappelez près. 4412 transpondeur, je suis le DR400, je point d'attente 29 gauche et rappelez près. Fox Zulu Alpha. Faut peut-être que j'aille à gauche. Hein. Non, tu vas pouvoir y aller après, de toute façon là-bas. Tu vires, tu vois où il est l'autre là-bas? Ouais. Donc la gauche, tu suivras Alpha en fait. En fait, tu vas au milieu là, à un premier point, tu vas en gros au milieu, là, entre les deux buts en herbe. D'accord. Et là, tu peux virer à gauche et tu prends sur Alpha. 29 gauche, c'est Alpha. D'accord. Non, de toute façon, tu suis l'herbe, la roue. Là. Je vais y arriver. La ligne jaune. La ligne jaune, ouais. Ok. Bon. Alors. Donc en gros, quelque part par là, on fait les essais moteurs. Tu peux même aller derrière le Charlie, là. Ouais, mets-toi plutôt comme ça, là, crac. Ça sert de Fox Kill Hotel, bonjour. Fox Kill Hotel, ça sert seul, bonjour. Fox Bravo Papa Kill Hotel, un DR221 au parking des stations, demande roulage pour quelques tours de piste. Fox Papa Kill Hotel, roulez point d'attente. Voilà, à gauche, mets-toi à gauche là. Voilà. Je roule point d'attente dans sa gauche et je rappelle très Fox Kill Hotel. Ouais, c'est bien là. Ça, c'est pour Fox Novembre Alpha, point d'attente 29 gauche, mais de ce près. Novembre Alpha, laissez passer le Robin 3000 devant. Suivez-le vers le point d'attente 29 gauche et maintenez le point d'attente, je vous rappelle, pour changer de fréquence. Il est passé, nous le suivons et nous maintenons au point d'attente Fox Novembre Alpha. Fox India Zulu, maintenez le point d'attente, contactez la tour 118-0. On maintient le point d'attente, on contacte la tour 118-0 Fox India Zulu. Oscar Uniforme au parking pour quitter. Oscar Uniforme quitter, au revoir. Au revoir, merci de m'honorer. Bonne journée. C'est en quadricom. C'est foutu. Fox novembre Alpha, maintenez le point d'attente et contactez la tour 118.0. On maintient le point d'attente et on contacte la tour 118.0. Au revoir. Bon vol. Saint-Cyr tour de Fox Golf novembre Alpha, point d'attente 29 gauche. Fox novembre Alpha derrière le Robin 3000 au départ, alignez-vous piste 29 gauche, attendez derrière. On s'aligne 29 gauche, on attend et on attend votre position. Fox India Zulu piste 29 gauche, autorisé décollage vent 290 degrés, 7-9. Autorisé décollage 29 gauche, Fox India Zulu. Le Tango Fox est prêt pour la translation. Fox Tango Fox, translaté Kilo 4, maintenez Kilo 4. Translate Kilo 4, Tango Fox. Ah,
Voilà, hop, t'as vu? Effectivement, là ça fait un truc bizarre avec ça là. Zulu Alpha le transpondeur sur 44-12 voilà. S'il vous plaît, et 3 trafics intègres par l'ouest sans s'opposer. Ok pour les caméras. 44-12 transpondeur, reçu information sur la piste Zulu Alpha. Il sera 55. Fox Novembre Alpha, piste 29, gauche, autorisé décollage, vent 290 degrés, vineux. Fox Novembre Alpha, autorisé décollage, 29 gauche. Puissance disponible, je lâche le frein. Fox Victor Charlie, trafic P2002 en montée initiale, sortir à l'ouest sans s'opposer. Fox Victor Charlie, surveillant. Les paramètres sont dans le vert, je continue. Zulu Alpha, identifié. Identifié, Fox Zulu Alpha. Québec Echo, un trafic P2002, fin de montée initiale, sort à l'ouest sans s'opposer. C'est copié, Québec Echo. Renault Tango, un trafic P2002 vient de quitter la montée initiale vers l'ouest sans s'opposer. C'est la prise visuelle au loin, je peux prendre avant. Fox Tango, Fox par Kilo 4, traversez les deux pistes, alignez-vous, FATO 29, autorisé décollage avant 280 degrés. Par Kilo 4, je croise les deux pistes, je m'aligne FATO 29 et je décolle, Tango Fox. India Zulu identifié. Saint-Cyr Tour de Fox Québec Novembre, bonjour, au point d'attente 29 gauche, je suis prêt. Fox Québec Novembre, alignez-vous, piste 29 gauche, et attendez. Je m'aligne 29 gauche et j'attends, Fox Québec Novembre. Fox Victor Charlie, un trafic DR400 en montée initiale, sort à l'ouest, rapidement arrière. Fox Victor Charlie, on est à l'avancement de la croisée des axes, et donc on surveille le trafic. C'est parti, Fox Novembre Alpha, 3 trafics vont croiser les axes depuis l'ouest vers l'avant arrière, rappelé en sortie ouest. Reçu pour Novembre Alpha, on a un premier visuel sur notre gauche, on rappelle en sortie ouest. Québec Echo, un trafic DR400, montée initiale, sortira à l'ouest, sans s'opposer. Donc là, on va pouvoir virer à l'ouest. Québec Echo, on a un peu moins avancé. Ok, donc on voit la Québec Novembre, piste 29 gauche, autorisé décollage, vent 290 degrés, 7 nœuds. Autorisé décollage 29 gauche, Fox Québec Novembre. Fox, bravo papa, alignez-vous, piste 29 gauche, attendez. Il y en a deux. Fox Zulu Alpha, transpondeur 7000, quittez dans l'ouest, à plus tard. Transpondeur 7000, on quitte, merci Zulu Alpha tout à l'heure. Transformez au tour. Viens quitter la montée initiale vers l'ouest sans s'opposer, rappelez l'an arrière. Ça marche, on passe au-dessus. Je contrôle. Affirme Québec Echo, pardon, pour Roméo Tango, un trafic vient quitter la montée initiale vers l'ouest sans s'opposer, rappelez l'an arrière. Le nouvel rappel, j'arrive en début de l'an arrière, vous avez entendu. Fox Zulu, on sort par le nord, reporté. India Zulu, transpondeur 7000, quittez à plus tard. Portez en l'air, merci. Voilà. Fox, bravo, papa, piste 29 gauche, autorisé décollage, vent 300 degrés, 7 nœuds. Autorisé 29 gauche, papa. À droite, ouais. C'est le Tango Fox, la visuelle sur le P2002 DB de vent arrière, main droite 29. Reçu Tango Fox, et bien vous pouvez dès à présent quitter, passer avec les Molino, à plus tard. Avec les Molino 18-5, à plus tard. Québec Echo en tout début de l'enfer arrière. Fox Québec Echo numéro 2, trafic précédent HR 200 000. La piste 29 droite. Rappel final 20 à droite, Québec Echo. Victor Charlie numéro 1, rappel final piste 29 gauche. Fox Victor Charlie numéro 1, rappel final 20 à gauche. Fox Kilo Hotel, alignez vos pistes 29 gauche, attendez. Impeccable. Je m'aligne à plus 29 gauche et j'attends Fox Kilo Hotel. Fox Romeo Tango, début de vent arrière. Où tu vas? Tu vises tout droit. Fox Romeo Tango, numéro 3, le trajet précédent, C552 en milieu de vent arrière, numéro 3, j'ai visé sur le trafic et je rappelle final 29 droite, Fox Romeo Tango. Fox Paquet d'Hôtel, piste 29 gauche, autorisé décollage, vent 300 degrés, 7 nœuds. Autorisé décollage, Fox Paquet d'Hôtel. Fox Romeo après, au point d'arrêt 29 gauche. Voilà, tout bien. Fox Zulu Novembre, maintenez point d'attente, je rappelle. Légèrement à gauche maintenant, 10 degrés gauche je dirais. Fox Zulu Novembre, maintenez point d'attente, je vous rappelle. La forêt qui est là-bas. Novembre, je maintiens point d'attente. Qui est en sortie en point de. Ok, juste avant les champs, voir les jaunes. Novembre Alpha, vous arrivez en sortie, transpondeur 7000, quittez la fréquence, bon retour. Transpondeur 7000, on quitte la fréquence, au revoir, bonne journée. Fox Victor Charlie, piste 29 gauche, autorisé atterrissage, vent 310 degrés, fineux. Ok, reste avec le bien sûr. Fox Québec Echo, piste 29 droite, autorisé atterrissage, vent 310 degrés, fineux. Autorisé atterrissage, vent à droite, Québec Echo. C'est ça. En fait, la rangée d'armes, ça correspond plus ou moins à Whisky. Bon, hé, de 20 mètres. Voilà, c'est ça l'équipage. Franchement, heureusement que là.
Ah bon? Bah, à deux, on est toujours plus, c'est toujours plus simple à deux. Alors je pense que d'après mon log, il faudrait qu'on bifurque plus à gauche là. On est pas bah, après ça dépend, ouais. Ça, si t'as pas pris Hollande, ouais, tu bifurques à gauche. Et tu fais gaffe parce que t'as beaucoup de... Voilà. C'est vous de novembre aligné depuis le 29 gauche, attendez. Ouais. Pas de trafic à droite. De gauche, j'attends. Je vois rien. Roméo Tango, correction, rappelez court final piste 29 gauche, départ en cours. Fox Victor Charlie dégagé, prochaine à gauche et contactez le SA 121 décimal 950. Donc là-bas on voit bien les étangs, les grands étangs. Fox Zulu novembre, piste 29 gauche, autorisé décollage, vent 320 degrés, 4 nœuds. Zulu novembre, autorisé 29 gauche. C'est bon. Établi sur trajectoire. Fox Roméo, Roméo, Saint-Cyr, rebonjour. Voilà, Chevreuse établi. Affiché, pardon. Tiens, il y en a un à droite là. Ah ben c'est moi qui parle, je suis bête. Chevreuse de Fox Golf, novembre, novembre Alpha, bonjour. Novembre Alpha, bonjour. Le Fox Golf, novembre, novembre Alpha, DR 400, deux personnes à bord en provenance de Saint-Cyr à destination de Logne, 1500 pieds QNH. Pour passer en fréquence avec vous, nous arrivons sur la partie ouest-est de Hollande. Monsieur novembre Alpha, transpondeur 44-50, identifié modeste, QNH 1022, rappelez pour quitter. 44-50 au transpondeur, Fox Novembre Alpha. Ça va, on n'est pas trop passé sur les invitations, hein. Ouais, non, c'est bon. Chevreuse, Québec, Oscar. Ah, voilà, la partie de Hollande, elle est là, la partie la plus à droite, ouais. Enfin, la partie est. De toute façon, on a le château d'eau là, tout à l'heure je l'avais repéré celui-là. Et le voir, il doit être derrière l'autre château d'eau qu'on voit là-bas. Chevreuse, Québec Oscar, bonjour. Québec Oscar, bonjour, point retour. Affirme. Québec Oscar, transpondeur 42-50, rappel à 2 minutes de chien. 42-50, rappel 2 minutes de chien, Québec Oscar. Parce que c'est bon de regarder le paysage. Ouais, c'est clair. C'est bon de piloter, c'est bon de regarder le paysage. Ah non, j'avais jamais fait gaffe là. Left est au 123 dans 5 secondes. C'est fou ça. On vient d'intercepter en bouillé. Ouais. Okay, left est au 123, ouais. Now. C'est beau la technologie. On va lui faire confiance, hein. Ah ouais. 123, ça fait beaucoup, hein. Ah bah non, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Hein. Ouais, ça fait beaucoup. On était sur du 105 tout à l'heure. Oui, mais c'est du 105 depuis là-bas. Fox Novembre Alpha, trafic sans contact, va croiser sur votre droite, route opposée, champion. Fox Novembre Alpha, visuel et droit suivant loin, c'est bien reçu, merci. Je vais descendre légèrement à 1400. Yes. Moi j'ai rien pour checker la caméra sur la tête en fait. Je peux vérifier les autres mais pas celle que j'ai sur la tête.
suis passé à gauche de ce petit village. Ouais. Qui est sur la carte d'ailleurs. Après, je suis avec Oscar, contactez la tour 120 décimale 750. Ah, je suis avec Oscar. Alors il est sur la carte, tu vois, mais sur la 250, il n'y a pas de village. Ouais, c'est marrant. Il n'y a pas de village avec obligation réglementaire, en tout cas. Des villages jaunes. Ouais. Donc juste à gauche, là-bas, quelque part, il y a Toussu, là, ça me rappelle ça, avec ce grand truc, là. Quand on arrive là-dessus, on n'est pas loin du voir Toussu. Et on enclenche un virage à gauche pour aller à Toussu qui doit être là-bas, le point Sierra de Toussu. D'accord. Il me semble, hein. Non, on va dire c'est un souvenir Simu, ça, c'est, ça que ça me, c'est ça que ça me fait penser. Un truc avec un gros château d'eau et plein de champs derrière. Effectivement, on a là une partie avec un petit peu de vallonnement là. Là-bas, on voit les... Ouais, je sais pas ce que c'est. Ah, visuel sur le bord. Devant. Visuel aussi, ouais. Donc il est 5. Je suis heureux, j'ai eu que Victor X-Ray Delta, bonjour. X-Ray Delta, bonjour. Vous êtes un petit peu loin pour le moment, rappelez-moi, approchant le péage d'un Saint-Arnaud. Je vous rappelle plus tard, sur le X-Ray Delta. Fatine X-Ray, vous êtes en sortie transpondeur 7000, quittez la fréquence, bon vol. C'est bien transpondeur qui prend la fréquence, okay, pour 8, ça va être X-Ray tout à l'heure. 03, ça va faire 13 ici, 125. Hop là. Ah, il va monter, hein, Pépère. Eh ouais, hein. En tout cas, on est moins secoué que tout à l'heure, c'est pas plus mal. Ouais. Ok. Donc j'ai dit 123, heading 125. Donc on vient de passer à droite. Vers la gauche, vers la droite. Ok, l'altitude 1400 pieds, c'est ok. Ensuite, on a 16 minutes jusqu'à 9FQ, donc la radio... PES dessus, radional c'est bon, directionnel pas la peine de le recaler, ça c'est marrant, on voit la flamme. Ah oui. Directionnel pas la peine de le recaler, essence on est à 0,2, oui. Donc on a fait quoi, on a fait 10 minutes là, pas de vol 10 minutes. 10 minutes de vol, donc il nous reste 2h50, donc on va dire régime moteur 2500 tours par minute et paramètres dans le vert, check pas tournant terminé. Visuel caractéristique, ça sera l'autoroute à 10 pour moi. En attendant, c'est des petits villages. Charmant au demeurant. Petite route là, ah, tiens. Là, on est peut-être là. Toxic Delta à l'écoute. Oui, donc c'est le Fox Hotel Victor X-Ray Delta. Un WT9 en provenance de Alcimete à destination de Chavenay, deux personnes à bord, 7000 transpondeurs et donc on est juste au nord de Dourdan. Fox X-Ray Delta, transpondeur 4450, QNH 1022. Vous pouvez confirmer le code transpondeur? HM 4450. Ah bah justement, 4450. Autoroute à X. Donc on arrive dessus avec un angle de 80 degrés. Ouais.
Donc on la voit comme ça, elle fait un à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et au fond là-bas, non c'est trop loin, on le voit pas. Elle bifurque en deux parties. Tout sud, Fox Zulu Novembre, bonjour. Fox Zulu Novembre, bonjour, vous êtes encore un petit peu loin du secteur, rappelez-moi d'ici 2-3 minutes. Zulu Novembre, je rappelle. Ça sera une ligne de tension. Hop là, un oiseau qui fait de la cabriole là. C'est un golf ça. Fox Novembre Alpha, vous êtes en sortie, transpondeur 7000, quittez la fréquence, bon vol. Transpondeur 7000, on quitte la fréquence, au revoir, merci, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Paris Info du Fox Golf Alpha, Oscar Novembre, bonjour. J'ai cru que c'est toi qui allais parler. Fox Golf Delta, Oscar Novembre, Paris Info, bonjour. Ça doit être brouillé. Brouillé. Delta India Echo, the aerobatic schedule in the field ahead of me. 1 minute. Bon, on peut parler, on peut y aller. Oscar Novembre, 70-20. 70-20 pour Oscar Novembre. Paris 2, Fox Golf Lima, Delta Uniforme, bonjour. Fox Golf Lima Delta Uniforme, bonjour. Fox Golf Lima Delta Uniforme, un DR-400, une personne à bord, en provenance de Tours à destination du Touquet, on est au nord de Tours. 70-01. 70-01 au transpondeur Delta Uniforme. Pour fixer, on arrive à la contact. 118-8, au revoir. Et info du novembre 7 Sierra, bonjour. 7 Sierra, bonjour. 37 Sierra PA28 en provenance du Touquet à destination de Touchu-le-Noble. Je viens de sortir des zones de Beauvais au-dessus des Trépanis pour un transit. 70-02 au transpondeur pour novembre 7 Sierra. Arrière-feu, c'est le novembre Alpha, bonjour. Arrière-feu de novembre 85 Yankee Echo, bonjour. Yankee Echo, bonjour. Novembre 85 Yankee Echo, c'est un gros mana à 5 du Touquet vers tout sud. Je sors des zones de Beauvais en descente vers 3500 pieds. 70-03. 70-03, novembre Yankee Echo. Paris Info de Fox Novembre Alpha, bonjour. Novembre Alpha, bonjour. Fox Golf Novembre, Novembre Alpha, DR-400 en provenance de Saint-Cyr à destination de Logne, 1400 pieds, libéré par Chevreuse. Novembre Alpha 70-05. 70-05, Fox Novembre Alpha. Paris des Fox Novembre Lima, on arrive sur le point Sierra Mike de Melun pour passer en auto-info. Ouais. 121 unités, au revoir. 121 unités et 7000 Fox Novembre Lima, au revoir, merci des contrôles. Tango Oscar. Tango Oscar. Vous êtes pris des permis là, je suppose. Affirme, nous sommes encore à 5 nautiques. Tango Oscar. Tango Oscar. Nous sommes à 5 nautiques et faire de Fox Tango Oscar. Tango Oscar, donc le Fox tout à l'heure, Paris Sierra Fox est avec vous, c'est ça? Alors. Ah, ça va être la nationale 20 ça. Monsieur Pelletier, c'est ça? Monsieur Levertier, pardon? La méthode, mais. Tango Oscar, vous êtes le pilote, c'est Monsieur Levertier? En fait, je zigzag pas mal. Hein. Ouais. Je sais pas, t'as dû remarquer, je sais pas, je sais de... Je vois que t'es en train de. Mais ce que je me disais, je dis, finalement, c'est cool parce que. Donc, Tango Oscar, vous ne voulez pas que le plan, de même que ça, Fox, j'ai pas pu avoir ça. J'essaie le temps que possible d'éviter les. Ouais. Les invitations. Novembre 060, Paris Info Bureau. Pour aller vers. Par contre, il va falloir que je pense à retourner vers la droite, quoi. Ouais, à un moment donné. Ouais, non, ça va. Whisky Papa. Ok, je vois mon. Eh ben, récupérez le Whisky Papa. Whisky Papa, contact scène 120325. Ouais. C'est ça, Whisky Papa, avec le track scène 120325.
en principe. Arrière feu de Fox Bravo novembre Indy Alpha, bonjour. Ça fait, on était 5, ça fait 12. Arrière feu du novembre Fox Sierra pour descendre à 2500 pieds novembre hôtel. Ouais, tu me conseilles de repartir vers La Ferté. Ouais, La Ferté. Ok. Après, La Ferté, c'est là-bas, après le patelage, ouais. Je tourne. Voilà. Rien faux du novembre 7 Sierra. Aussi, 7 Sierra qu'on a. En fait, finalement, ah non, ça se trouve. Bien sûr, ouais, novembre 7 Sierra. Rien faux du novembre 60. Par contre, novembre c'est 60, pas bonjour. Forcément simple de savoir où on est après. C'est novembre 14, 060, c'est pas de tempête, provenance, le Touquet destination de Touffu. En descente vers 2500 pieds au travers 3000 pieds, on est 4 à bord. 60, 17 novembre 60. Alors on a une... Je te ramène à La Ferté Gaucher. Ouais. Là ça va faire un beau virage. Paris Info, Fox Mike Golf, bonjour. Fox Mike Golf, bonjour. Fox Hotel Sierra Mike Golf, hélicoptère R44, deux personnes à bord, 2000 CQNH au décollage de Chartres et à destination de l'île Marc. En 29-750. Mike Golf, 70-06. De Fox Bravo novembre Indy Alpha, bonjour. Au transpondeur Mike Golf. 70-7-0-6. 7-0-06, pardon. 7-0-06. Ah, ouais, okay, on est vertical, 0-0, je t'autorise Mike Golf. Contact. Ouais. Paris 2 Delta Uniforme pour savoir si Orléans est actif. C'est bon, on est au-dessus là. Delta Uniforme, Orléans n'est pas actif. On est 200 pieds. Merci Paris, les Fox, Tango, Sierra. Il est 16. Paris Info, Fox novembre ça pour vous quitter vertical, le faire aller. Ouais, c'est novembre Alpha, transpondeur 7000, au revoir. 7000, au revoir, bonne fin de journée. Donc 054. Rien. Allez, 054. La Ferté, les deux Fox, novembre Alpha, bonjour. La Ferté, le Fox, novembre Alpha, vertical de vos installations, 1400 pieds en direction de Bravo pour passer la CTR de Melun. J'évite ça. À droite. Ah mais j'évite ce truc là. Ah oui. Parce que là t'es sur Ballancourt. Hein. Tu vas à gauche de Ballancourt, après t'es... On va que c'est bien mais t'es très près de la C2 de Paris après. Voilà. Sécurité à droite. Voilà. Bon, c'est pas assez difficile pour toi, ma caméra fonctionne. Ouais, ça va. Non mais là-haut, cette caisonnette, elle fonctionne. Celle... Ah oui, celle qu'elle a ou elle clignote. Et quelle? Elle clignote bien. Bon, très bien, t'arrives à gérer plusieurs trucs, c'est parfait. Bon, à ta gauche, c'est Ballancourt. Ok. Et on a Bravo qui est déjà là-bas. Ça va vite, hein. Ouais. C'est marrant, à l'aller, j'ai l'impression que ça a été plus long. Je pense que c'est souvent comme ça. Ah oui. Le retour est souvent plus rapide. Ouais, en fait, c'est peut-être un temps dans la tête. Ouais. Plus concentré, beaucoup plus de choses. Ça doit jouer, ouais. Ouais. Ah, tiens, ouais. L'antenne, enfin l'antenne. Le relais qui est là-bas, je le connais par cœur. Ah, alors à notre droite, on a une forêt dans laquelle on va marcher souvent. D'accord. C'est la première fois que je la vois comme ça, c'est génial. Et le patelin qu'il a, c'est celui qui doit s'appeler Mondeville. Ça m'a toujours éclaté ça, Mondeville. Ça s'en rend pas. Et là-bas, on a Chancœil. On a une toute petite tour qui servait de télégraphe, une lointaine époque. Bien ! Un dixième de seconde de 0G. Elle était sympa, celle-là. Ah, il fallait que j'intervienne, moi, parce que on était en train de... La Ferté de Fox Novembre Alpha, de 3 nautiques au nord de vos installations de vos quittants. Au revoir, bonne fin de journée. En fait, vous restez sur la fréquence pour le moment. Je me disais, mais pourquoi il cause lui?
Lima de Fox November Alpha, bonjour. Là, le Fox Golf November Alpha, DR400 en provenance de Saint-Cyr, nous venons de passer la Ferté, nous sommes à 1 minute 30 de Bravo pour franchir la CTR vers Novembre. Fox November Alpha est à 1400 pieds, QNH. Fox Novembre Lima, bonjour au Novembre Alpha, donc on est devant toi, on vient de passer le point Novembre de Melun à 1200 pieds en direction de Logne, on quitte la fréquence, on te souhaite un bon retour. Merci également à toi, à tout à l'heure peut-être, au revoir. À tout à l'heure. Il est bien poli ce Novembre Alpha. Ah ouais. Donc top à 20. Ok, donc moi il est 17, ensuite le prochain cap c'est 0,54, donc c'est tout droit. C'est par là. Ensuite l'altitude 1400 pieds, l'estime 4 minutes pour Novembre. Melun, le Fox Novembre Alpha, vertical, bravo, nous rentrons dans la CTR 1400 pieds, QNH. 2 minutes après 24. Ensuite, la radio, ouais, 121.10, c'est ok. Lui, j'en ai plus trop besoin. Tout fonctionne, c'est parfait. Allez, montre-moi ton retour favori. Tu veux que je le fasse par retour favori? Oh bah tu le fais comme tu le veux. Hein. Ok. J'imagine que c'est celui que tu préfères. Bien vu. Oh, regarde ça à gauche là-bas. Bah ça c'est chouette. Ouais c'est joli. Belle visite, bonne netteté. Bon il manque juste l'appareil photo. Radio-là, aujourd'hui j'ai été raisonnable. Donc directionnel, pas la peine de le recaler. Le carburant, ok. Et régime moteur, 2500 tours par minute, paramètres dans le verre, checkpoint tournant terminé. On passe au-dessus d'une grande roue. Bah toi t'avais fait tout droit là. Oui en fait moi j'irais tendance à aller à gauche là sur le truc là. Ouais, ouais c'est ça. Et ensuite derrière, hop, un petit baïonnette et ensuite à droite. D'accord. Sur l'autre site, plateforme qui est là-bas. D'accord. Non, ouais. Ah, c'est non, pourtant c'est ça, non, c'est ce que j'aurais fait moi. Voilà, tu suis la trajectoire que je suis habituellement moi. Enfin, jusque là en tout cas. Après ici, je vais à gauche et toi tu vas à la droite. C'est ça. Voilà, d'accord. Ben, en fait, tout à l'heure je t'ai montré dans l'autre sens, mais quand tu arrives sur le grand carrefour là, enfin, le centre commercial, tu vises les hangars qui sont là-bas, et là-bas tu tires à droite et tu reprends ton cap initial. D'accord. Oui, effectivement, c'est pas plus compliqué que de viser la grosse structure ici et ensuite de prendre là-bas. Quoi. Bon, la prochaine fois, je ferai comme toi. Bon, après, Sébastien, psyché, il me disait, par contre, si tu veux pas y aller, surveille pas la prison. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'en allant vraiment à gauche, t'as un truc que tu risques pas de faire. C'est sûr. Tiens, il y a un circuit automobile, j'avais jamais vu. Ah oui, effectivement. Ouais, en tout cas ce qui est sympa là c'est que ça permet de voir toute la partie urbaine là de proche. Ouais. En fait des petits vols locaux qu'on pourrait faire, hein, qui pourraient être intéressants, c'est venir et balader dans la CTR, tu sais. Donc éviter ça, aller au proche de Melun, genre on est à 1 km de Melun à peine, et on fait tout le tour. Ouais. C'est juste histoire de dire, voilà, de voir Melun. J'ai fait ça une fois bien sûr. Au passage tu vois vos vicomtes. Ah bah tiens voilà. L'un de Fox November Alpha, un autre ouest de la piste visuelle, pas d'avion en vue.
gros stick là-haut, énorme. Ah. Où que ça se cue. Par contre, il y a un truc qui m'éclate là, c'est qu'ils évitent que tu prennes une autre trajectoire que celle que tu as l'habitude, évidemment. Et là, tu hop, t'es dans le white, tu reconnais plus rien. La fois où je te disais tout à l'heure là, que j'avais eu volé avec une très mauvaise visée, revenir de Blandy sur novembre, je peux dire que ça m'a foutu le voile dans la tête, quelque chose de phénoménal quoi. Là, Fox novembre alpha, 1400 pieds, 1 minute 2 novembre. Ah, il est chouette le château là. Bien. Comment Simu, on va voir les châteaux au plus près. Voilà, je vais commencer à descendre à 1200 pieds. Ouais. Et Ah oui, toi tu fais l'entrée sud, c'est ça? Ouais. Ah bien, j'ai pas fait depuis longtemps. Par contre... Melun, novembre alpha, vertical, novembre, nouveau quittant, au revoir. Pump number 4 is unserviceable, caution but hazard. Surface wind 270 degrees, 6 maximum 10 knots. Variable between 230 degrees and 020 degrees. Visibility 10 km. Temperature 27, QNH 1022, sunset 1940 UTC. Thanks to inform Lonnie at initial contact, but your visit information Juliet. Bonjour, ici Lonnie, information Juliette, enregistré à 14h20 UTC, piste 26 en service, attention, aéromodélisme en cours, attention à ponce numéro 4 est hors service, attention escavière, vent au sol 270 degrés, 6 à 10 nœuds, variable du 230 degrés au 0,20 degrés, visibilité 10 km. Information Juliette, on a dit. Donc Juliette, la 26. Ouais. 1022. On est bon, on est réglé. Ok. Pour le touché, vent 280 degrés, 4 nœuds. Ah, j'ai touché un 6 degrés, en fait. Lagne de Fox, novembre alpha, rebonjour avec l'information Juliette. Fox, novembre alpha, lagne, bonjour, 37-31, je vous écoute. 37-31 au transpondeur pour le Fox Golf, novembre alpha, de retour de Saint-Cyr, deux personnes à bord. 3 minutes de l'entrée sud des installations. Fox novembre alpha, rappelez 30 secondes de la verticale, 1500 pieds. Fox novembre alpha, je rappelle 30 secondes de la verticale, 1500 pieds. Il peut y avoir du monde, hein. Ouais. Bon, bah c'est bien ça, tu vas nous faire faire un excellent exercice. Moi je vais essayer de suivre. Ok, on est à 1500 pieds, c'est la puissance. En session.
Fox Nord Alpha, si vous le désirez, je peux vous proposer une base main gauche. C'est négatif. Négatif, Fox Nord Alpha, merci. Reçu, rappel vertical. On rappelle vertical. Je la sens pas. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, normalement... Fox Nord Alpha, bonne intention. Il faut suivre les lignes de temps sur l'histoire, on les suit comme ça, et après tu vas là-bas... C'est pour que des encadrements, alors, parce que vertical, trafic au sud, pardon, pour débuter. Vas-y, faites une fois. Trafic Robin, placé de l'installation 1500 pieds pour 4 nautiques. Bah, j'ai bien suivi pendant ça, donc un pas vertical. On va faire un centre 4, et puis après on fera une petite BTE pour changer. Reçu. Ça t'embête pas, hein? Ah, pas du tout, faites ce que vous voulez. Ok, donc ensuite je vire vers le lac. L'autre jour j'ai pique-niqué sur ce lac et j'ai pas compris où est-ce que j'étais. Ah oui, d'accord. J'ai mis très longtemps avant de comprendre que j'étais le lac. Vous êtes à Tango Lentour, bonjour à l'IU, piste 26 dur, autorisé décollage, vent 300 degrés 7 nœuds. Je m'aligne 26 dur et je suis autorisé au décollage, vous êtes à Tango Lentour. Non, à ça pour information, trafic Robin, milieu de traversée monté vers 1500 pieds pour la verticale et un encadrement face au sud. Rappelez en vue. C'est reçu pour le novembre Alpha, pas de visuel pour le moment, nous arrivons à 30 secondes des installations. Reçu, vous pouvez descendre à 1200 pieds et rappeler verticale. Le Robin est toute fin de traversée monté vers 1500 pieds. C'est reçu pour le Fox novembre Alpha, on descend 1200 pieds, on surveille le trafic. Pas de visuel là. Et sur le 26 en traversier. Il est en montée, il est en traversier pour remonter. Alors qu'il doit être quelque part là-bas. Il doit être en début de vent arrière. Ouais. Fox Novembre Alpha, vous allez viser la fin de vent arrière en ouvrant sur la droite. Donc visez la fin de vent arrière, main droite, piste 26, rappelez fin de vent arrière. Le Robin précédent m'a lancé tout début de vent arrière pour la verticale. Reçu pour toi. Ok. Reçu pour le Fox Novembre Alpha, nous visant la fin de vent arrière pour la main. Révisé sur Novembre Alpha, on va descendre. Reçu, début de la convenance et rappelé continue la piste 26, gazonné, Fox Romo Delta. On rappelle. Excuse-moi, tu rappelles que je suis fatigué, j'encadre un peu rien. Vous pouvez débuter la convenance l'encadrement et rappeler continue la piste 26, gazonné, Fox Romo Delta. Le Robin fin vent arrière va prendre la dure. Ouais, c'est reçu, donc on rappelle final 26, gazonné en modèle. Visez bien l'autoroute, hein, Fox Novembre Alpha, vous pouvez virer sur la gauche là pour rejoindre la fin vent arrière. Ouais, là-bas. Reçu pour le Fox Novembre Alpha, désolé, on vise juste à gauche un instant pour la fin de vent arrière. Voilà, je me disais aussi que t'allais un petit peu. Ouais, c'est pour éviter de survoler les heures. Ça paraissait bizarre. Plan. Donc là, je vais déjà passer réchauffe 2000. Oui, donc le numéro 1, Fox Novembre Alpha, rappelé final, piste 26 dur, trafic Robin débute en encadrement pour la gazonnée. Reçu pour l'encadrement sur la 26 gazonnée, numéro 1 sur la 26 dur, rappel final, le Fox Novembre Alpha. Donc arc blanc, je l'ai un cran, la pompe, l'effort. D'accord, j'avais jamais fait ça comme ça. Sécurité à droite. À 230 km. Je vais réchauffer la pompe le phare. Je vais descendre. Le Robin préstant m'annoncer désormais base pour la dure. Autorisé atterrissage. Autorisé touché. Piste 26 gazonné. Faut se rouler. Autorisé touché. 26 gazonné. En même temps. C'est le troisième là, c'est ça. Les paramètres sont enlevés. Affirme. Fox Novembre Alpha, début de finale. Le visuel sur Romain Delta à notre gauche. Parfait, Fox Novembre Alpha, autorisé atterrissage, piste 26 dur, vent 290 degrés, 4 nœuds. Autorisé atterrissage 26 dur, Fox Novembre Alpha, toujours visuel sur le Romain Delta. Avec la pompe et de l'essence, check avant atterrissage terminé. Perdu. Ah non, il est là.
pas beau. Atterrissage, Nicolas. Bien. Et hop là, sortie directe en plus. C'est l'information kilo en vigueur, Victor Bravo. Il n'y a pas de changement significatif. Si vous voulez pas attendre 26 durs, rappelez prêt. Ok, donc je fais le point d'attente 26 durs, on rappelle que alors, rentrer. Fox Victor Bravo. Réchauffage fermé, pompe. Le sol de Fox November Alpha 26 dur dégagé, demande de roulage pour parking crédit. Alors November Alpha, je vais vous proposer de débuter le roulage, prendre à gauche comme pour les pompes, et de reprendre les pompes à l'envers via le jet, et laisser passer un Robin qui sort de Tangolité. C'est reçu, donc on vire à gauche, on prend à droite sur les pompes, et on sort à l'inverse d'habitude. Visuel sur le Robin qui commence son débarrage, enfin qui débute son roulage. Ok, donc à gauche pour les pompes. Ouais. Et tout de suite à droite. Donc tu rentres sur les pompes, tu vas sortir par les pompes en fait. D'accord. Et en fait on le laissera passer bien sûr. Bah, même ça c'est l'inédit. Il nous arrive que des trucs marrants genre. Ah ouais, c'est excellent. Bah là on va se mettre... On l'attend ici. Ouais. Comme ça si jamais il change d'avis, il veut aller aux pompes. On fausse novembre alpha, on attend au niveau de la vie, mais on le laisse passer, en fait on bouge. Allez, on s'accorde. Golf Echo Novembre Sierra, bonjour. Golf Echo Novembre Sierra, bonjour. Oui, Fox Novembre Sierra, TB20 au parking Alpha Aviation, ce serait pour rouler sur Tango 1, fin de Dars, au stationnement. Alors, vous laissez passer un Robin, le Novembre Alpha, et ensuite vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait? On fait à droite? On laisse passer le Robin, et puis on quittera au fond de Dars, Tango 1, Fox Novembre Sierra. Par contre, on va charcuter des gens, là. Fox Novembre Alpha, nous avons libéré le taxi, ouais. Au revoir, bonne fin de journée. Merci à vous. Alors, ce vol, ce retour? Bah écoute, très 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 intéressant. Quand volet de France, on part, compteur monté, c'est bon. Bah y'a plus amarrage, on est bon pour la check. On est bon. Je vérifie que j'ai rien oublié. Bah écoute, franchement, très sympathique. Ouais. Très agréable. J'avoue que j'étais pas très à l'aise pour l'idée d'aller là-bas. Mmh. Et que bon, ça s'est bien passé quoi, même si c'est vrai que je... Honnêtement, heureusement que t'étais là, quoi. Ça m'a bien soulagé. Après, ça fait, ça aide aussi, hein, parce que c'est pareil. Moi, j'y avais pas été forcément non plus tout seul, parce que je sais que c'est un peu technique, un peu machin. Et effectivement, c'est vrai que quand on arrive, il y a quand même pas mal d'actions à faire. Et c'est quand c'est la première fois, tu te dis bon, ça fait un peu beaucoup tout seul. Ouais. Mais finalement, en y allant à deux pilotes, toi, tu t'occupais finalement de la radio et tout, ce qui était quand même une bonne chose. Et moi, j'ai pu me concentrer sur la trajectoire. Ouais. À partir du moment, comme je disais tout à l'heure, dès lors que j'avais bien ciblé le point d'entrée ouest. Et que j'avais le visuel sur ce qu'on avait vu sur la carte, on a bien regardé par Skype là, je voyais très bien la carte mentalement et donc je me suis aligné carrément sur les choses. Après, une fois que tu as la trajectoire en tête et que tu l'as sur le terrain, après ça se passe mieux. Mais c'est vrai que ensuite pour revenir sur la toute fin là, le pointer vers la fin de vente arrière, ça m'a surpris quoi. Parce que déjà, j'avais jamais eu ce cas de figure-là. Oui. Et même si dans le briefing arrivé, tu es censé te préparer à ce cas-là.
Il fait partie des cas de figure de l'ONU. Mais c'est vrai que c'est le plus compliqué, je trouve. Si tu, si tu rentres en début, en publié, en début ou en milieu, ça va. Mais quand tu rentres en fin, t'es à peine rentré que tu dois déjà virer en base. C'est, je trouve ça... Mais c'est un peu plus sportif, finalement. Là, ce qui veut dire aussi que tu as intérêt à être bien maître de tous les paramètres, parce que sinon, tu vas te mettre au... Mais toi, j'ai vu que tu avais super bien réglé la vitesse après. Tu avais très vite réduit. Là, je me suis mis tac, tac, tac. Et en fait, j'ai eu l'impression de faire pratiquement deux trucs en un. C'est-à-dire, d'habitude, quand je vire en base, j'ai déjà terminé avec ma check approche. Tandis que là, j'ai dû la faire en même temps que le virage en base. C'était assez plein de trucs à faire en même temps. Et bien maîtrisé. Parce que finalement, j'ai vu la vitesse, après elle chutait, t'es passé dans l'arc et tout. Claque, tu t'es aligné, t'étais bien 1200, le demi-tour, enfin le demi-tour, le passage en base, et après l'alignement avec une finale, tip top. Donc, bien joué. Merci, merci. Et en même temps, effectivement, comme ça, moi j'ai découvert aussi, parce qu'on n'avait jamais fait ça. Un truc, on était parti sur la mi, ou sur la mi vent arrière. Alors, je suis content aussi de t'avoir fait passer par le sud, d'avoir eu cette arrivée par le sud, et puis cette arrivée... imprévu du coup, vertical 1500 pieds fin de vent arrière en arrivant par le sud. Et comme ça, ça fait des coups doubles en fait. On apprend bien. Et là, pour le coup, elle m'a proposé, t'as vu, elle m'a proposé la base. J'ai pas joué au malin à dire oui, oui, d'accord, vous me proposez, j'accepte. Tu vois, je me suis dit, non, je ne sais pas le faire, je vais vous dire non. Tu vois, donc t'as bien fait de. De toute manière, oui, là, il fallait que je te demande, c'était toi Donc, Non mais c'est vrai que si tu l'as pas fait une première fois, ça peut paraître... Enfin déjà c'est la trajectoire. Après là honnêtement, moi je voyais pas forcément le passage exact en base parce que ben, je l'avais pas en tête à ce moment-là. Mais je pense qu'effectivement en revenant et en longeant, enfin en étant vertical de la ligne haute tension, on aurait vu effectivement la base arriver naturellement et après il n'y avait plus qu'à s'aligner. Mais c'est vrai que là on était carrément sur les lignes haute tension. Alors il fallait légèrement déborder pour ensuite se positionner 900 pieds sur la... Il fallait partir, se mettre en base, s'éloigner pour ça. Ouais, il fallait à mon avis faire une petite baïonnette à droite. C'est-à-dire en fait la ligne haute tension elle fait un truc comme ça. Elle remonte et en fait il aurait fallu continuer sur la ligne haute tension pour être parallèle et ensuite vers une micro-base. En fait il aurait fallu après aux oies inférieures que je vire à droite. Pour passer entre les deux lignes, pour m'éloigner. Pour s'éloigner un tout petit peu et pouvoir avoir un temps d'alignement. Et c'est marrant, il n'est pas prévu dans la carte vague, hein, celui-là. Ah bah après, je ne sais pas, c'est peut-être des... Oh là là, attendez, je fais encore trop de bruit, là. Personne qui me parlait. Effectivement. Après, c'est peut-être des choses qu'ils réservent pour les pilotes qui sont basés. Et puis, parce qu'on a une bonne connaissance du terrain, donc on a les repères visuels, à mon avis. Il nous propose ça. Une fois, j'étais en instruction avec Sébastien Sichet, et il m'a proposé de le faire. Il m'a proposé de le faire, on a demandé au contrôle, ils n'ont pas voulu. Et il avait demandé une base main gauche en arrivant du sud. Ça, sinon, à la rigueur, c'est un travail qui peut être fait en préparation pour mentaliser le truc. Et une fois prochaine, en arrivant par le sud, demander la base main gauche si c'est possible. Et puis, pour un exercice base main gauche. Et puis voilà. Et l'autre qui monte là-bas. Nickel. Ouf. Bon, non, allez, on sort. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il faut penser à l'enlever, sinon on explose. Bien. Voilà. Allez, on arrête tout ça. Bon, donc ça valide aussi le principe de tablette sur une planche, alors. Ouais, ça marche bien. Et donc, tu as réussi à bien suivre aussi en visuel sur la tablette. Disons que ça m'a énormément aidé, parce que ça m'a énormément détendu. Ça m'a pas obligé à faire un log de nav classique. Faire toutes les étapes du log. En fait, si, tu l'as fait, mais ça te permet de naviguer plus... Au début, je pouvais pas. Au début, j'y arrivais pas. Ah bah non, au début, tu peux pas. Je me suis dit, je vais prendre un point de départ de navigation à Hollande, mais pas avant, parce qu'avant, j'étais trop occupé à faire la trajectoire un petit peu particulière du départ. Et du coup, je suivais le tracé sur mon smartphone, et là, ça m'a bien aidé. Ça a bien marché. Aidé avec le conseil que tu m'as donné, un petit peu de « tiens, je dois faire machin ». En fait, de toute façon, quand tu pars de Saint-Cyr, la nav, tu l'as fait vraiment commencer à Whisky. Avant, tu es trop occupé à regarder la trajectoire, et une fois que tu es à Whisky, enfin, ouest, tu arrives à... Bon, mais c'est bien, la prochaine fois, il faut y aller pour confirmer l'exercice, finalement. Ou alors, après, c'est PX. Finalement, je suis en train de me dire que PX, elle est peut-être plus compliquée. Si elle est plus compliquée, parce qu'il y a quand même... c'est un aérodrome avec deux pistes en croix. Ouais, c'est ça. Donc là, ça te fait quatre circuits à bien voir. Tu dis, j'arrive là, machin. Ou alors la veille, si tu dis, bon, allez, Windy, il me dit que c'est là. C'est plutôt l'ouest, donc ça va probablement être celle-là. Tu te focalises sur celle-là, et si c'est pas celle-là, c'est l'autre. Ça t'en fait plus que deux. Sinon, après, t'arrives.
au secours. C'est le merdier dans ma tête. Bon. Ah, puis en plus, d'habitude, quand je fais des vols avec les autres pilotes, je commence à faire l'aller. Et j'avais jamais fait un retour, en fait. Ah oui. Et là, ça m'a fait faire un retour. D'accord. Ah bon, ben c'est bien alors. Ouais. Bien, allez, maintenant, il va falloir ranger tout ce merdier. Et je peux te dire que j'en ai pour 5 bonnes minutes. Bah, c'est déjà ton sac. Ouais. Hop. Voilà.